La peur, c'est un repli à l'intérieur de toi. C'est ce qui te permet de trouver une porte de sortie par rapport aux impossibilités et aux murs que tu vois à l'extérieur. Chaque personne que tu as dans ton entourage est synonyme d'un mur. Tout est synonyme d'un mur. Tout est synonyme de chemin vers lequel tu ne peux pas aller, un chemin que tu ne peux pas parcourir. Et chaque personne de ton, tout ce qui est de l'ordre social, dès que quelqu'un initie une règle, donc exprime sa vérité, exprime quelque chose de lui, de manière autoritaire ou pas, tu prends ça comme quelque chose qui t'est interdit. Tu prends ça comme un mur. Tu prends ça réellement derrière le mur, c'est une impossibilité de toi de pouvoir créer tes règles. Et voilà ce dont tu as le plus peur. Voilà ce qui te fait le plus flipper, c'est pas ton père. C'est l'autorité refoulée que tu te refuses. Tu flippes de devenir comme lui, d'utiliser ton pouvoir absolu comme lui. Et derrière, ça me renvoie lien brisé. Parce que utiliser ton pouvoir pour décider ce que tu as envie de faire, comme tu as envie de le faire et d'effectivement le faire, c'est un mécanisme qui vient te connecter puissamment à l'intérieur, mais pour acter à l'extérieur. Et pour toi, acter pour toi, vivre pour toi, ça veut dire briser les liens. Précisément des liens de dépendance vis-à-vis des gens qui t'entourent. Ouais. C'est ça le véritable problème. Enfin, le véritable problème. Entre guillemets. Pose ton autorité. Tu t'es aperçu qu'être, c'est paradoxal, mais qu'être dans ton autorité, que quelqu'un qui est dans son autorité a besoin des autres. Et quelque part, t'as pas envie d'avoir besoin des autres. Tu penses pouvoir refaire le monde tout seul. Tu penses pouvoir te suffire à toi-même. Qui a construit le PC que tu utilises? Qui a foré les matières premières? Qui a fabriqué les vêtements que tu mets? Qui a fait pousser la nourriture que tu manges? Qu'est-ce qui achemine l'électricité qui te permet de t'éclairer, de te chauffer? Samedi, pour toi et pour tout le monde, regarde à quel point tu es lié à l'extérieur. Regarde à quel point tu es interdépendant et dépendant. Ouais, c'est pas interdépendant, mais regarde à quel point tu es dépendant. Tu es dans une énergie de dépendance totale par rapport à ta vie. Voilà ce que tu veux pas voir de toi. Rien ne t'appartient. Même ton corps a le patrimoine génétique à 50% maman, à 50% papa. Rien ne t'appartient. Mais sans aller jusque-là, l'info d'évolution pour tout le monde, c'est tu es dépendant de l'autre, tu es dépendant des autres. Arrête de vouloir prouver le contraire. C'est ça qui prouve ton immaturité. Vouloir faire comme un grand, tel que tu le projettes dans ton imaginaire, ce n'est que prouver ton immaturité. Ça me fait penser à un souvenir assez chelou. Je sais pas pourquoi ça me vient en tête, mais je sais plus, j'étais en sixième ou en cinquième, je me souviens plus. Donc je venais tout juste de débarquer au collège.
Et je suis sur le chemin du collège. Et je vois quelqu'un arriver en hurlant avec deux potes autour de lui. Et il est en train de célébrer. Je vous assure, c'est véridique, il est en train de montrer ça. Il est en train de montrer sa bite. Parce qu'il y a trois poils qui sont en train de pousser dessus. Et vraiment, à chaque fois j'y repense, c'est juste drôle et c'est juste super chelou. À quel point on se targue d'être des grands à partir de que dalle. Ton immaturité ou ta maturité, c'est vraiment c'est vraiment le propos. Quand je dis tu, je m'adresse pas qu'à toi, Sacha. Ta maturité n'est pas en lien avec le fait d'avoir une grosse voiture, d'avoir une belle montre, d'avoir une femme, des enfants et trois gosses. Être adulte, ce n'est pas ça. Ça, c'est la forme. Ça, c'est la forme. Ce n'est qu'une forme, ce n'est qu'un dessin. La maturité n'est pas là. Merci pour ta question, Sacha.